bagenzi banje bose dukorana hano I Washington DC turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona mugira umunsi mwiza namwe mwirinda iki cyorezo kandi murakarama Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président Donald Trump a évoqué, sans rentrer dans les détails, hier à Dallas, un décret en préparation pour encourager les policiers à faire preuve du plus grand professionnalisme suite au meurtre de l'Africain-Américain George Floyd par un policier blanc à Minneapolis. Mais il a surtout défendu les policiers, soulignant la nécessité d'avoir une police plus forte et assurant qu'il n'y a pas beaucoup de brebis galeuses en son sein. Monsieur Trump a aussi appelé à travailler ensemble pour lutter contre l'intolérance et les préjugés où qu'ils soient. Mais a-t-il averti, on ne pourra pas faire des progrès et guérir les blessures si on qualifie à tort des dizaines de millions d'honnêtes Américains de racistes ou d'intolérants. Lors d'une visioconférence avec ses pairs de l'Union africaine, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a lui qualifié hier la mort de George Floyd de symbole du vieux monde qu'il faut changer et qui viole constamment ses valeurs